les gars, il y a une voiture. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en Auvergne, dans un désert blanc, un peu volcanique, j'ai envie de dire. Et du coup, on se retrouve pour faire une vidéo avec la personne qui se tient derrière vous. Bonjour, moi c'est Luan Mancho. La meuf modeste. Je viens avec Lou pour tester le kite ski aujourd'hui. Alors c'est des trucs, genre des trucs un peu hybrides. On va se faire traîner par une voile en ski. On va tester. Et normalement on est censé faire, je crois, par là-bas le kite snow. J'espère qu'on va croiser des mouflons. J'adore les mouflons. Ça c'est l'objectif. Tu mets un bonnet. J'ai un bonnet pour la première fois de ma vie, de mon existence. Car j'ai des cheveux qui font office de bonnet d'habitude. Tu veux des gants chauds? Ah ouais, des gants chauds là, il fait froid. Ils sont neufs, jamais utilisés. Oh, des moufles comme les professionnels, j'ai jamais eu ça. C'est pas comme si j'avais mal au ménisque. Quelle liche de voile. C'est vrai que ça s'appelle le tchouch ce truc. Oh, ça y est, on vient de vérifier un peu tout le matos, revoir les bases, et là elle va décoller. Yeah! Un jour j'ai pioché mes affaires, faut les brûler, oui ça faut le faire. Le projet, je suis pas si fier. Un jour j'ai pioché mes affaires pour les épicards. Oui, ça faut le faire. Des années du passé, les affaires en pagaille au milieu du salon. Oublie ça, fais pas gaffe à la guerre. Oui, c'est ça, le temps fait passer la grève. Le temps passé là, dans mon crâne, c'est la grêle. C'est pas si grave, aujourd'hui c'est des guerres. Le passage est rapide dans ma tête. Au volant du carrosse, en plein air, j'ai volé le volant du cador. Baladé dans les airs en tapis Aladdin. J'ai défroissé mes idées, n'étant pas dans les cases. Pas dans le cas des idées à décaler. Limite, des fois c'est décidé, mais les idées s'emballent. À tout va, pas la bonne direction. Bonne directive de mes mots qui s'empilent à la balle. À tout va, pas la bonne directive. Bonne direction de mes mots qui s'empilent à la base. Ah putain, ma voile qui s'envole. Oh, ma voile elle s'envole alors que je suis en train de filmer. Ah bah là c'est... Non mais c'est une situation de crise. Oh Jesus, oh là là, elle est emmêlée. Vous venez d'assister à une situation de crise. Et je l'ai... Non, elle se rend. Comment je fais? Je sais pas. On est en train d'apprendre à faire du kite-ski. C'est trop stylé. Là on arrive à bien gérer. Moi j'arrive pas du tout à accélérer. Voilà. Donc je vais demander à Olivier, notre moniteur, de m'expliquer comment accélérer. C'est vraiment trop beau ici. On se croirait dans un désert, mais enneigé. Voilà. C'est le Mont d'Or en Auvergne. J'ai pioché mes affaires, faut les brûler, oui ça faut le faire. Vivre en enfer, c'est pas le projet, je suis pas si fier. Un jour j'ai pioché mes affaires, faut les brûler, oui ça faut le faire. Ok, maintenant it's time, toutes les choses sérieuses. On va apprendre à sauter, mon gars. Voilà. Faut pas finir selon le passé a vendu ses souvenirs à mon âme. Vagabond, j'en ai passé du temps à dépenser. On va où la Lou? On va aller faire la rando. Ah, je tourne, casse-toi la gueule. Ça commence mal, putain. Oh là là, on va louer des skis. Et on va marcher dans la montée. Voilà. On va marcher combien d'heures pour faire une descente? 45 minutes. Voilà, 45 minutes pour une descente. Et 45 autres minutes pour une autre descente. Quand ils vont voir mon niveau de rando, ils vont me sortir de là. Un carnet prouvant que je suis. Tu veux un carnet? Ouais. Je suis genre... Ah, c'est trop mignon, c'est les trucs des premières étoiles et tout. Exactement. Ça me rappelle les souvenirs de mon enfance. De laquelle? Oh, c'est trop mignon. Ok, on s'équipe pour le ski de rando là. Lou, est-ce que je t'ai dit que la dernière fois que j'ai fait du ski de rando, j'avais 13 ans et c'était le pire jour de ma vie? Ou oui, pas? Tu me l'as dit. On lui a dit, on va peut-être pas prendre les couteaux. Elle sait pas ce que c'est des couteaux. Ah merde. Merci. Tu sais ce que c'est? Oui, ça c'est si on meurt. Si je sais. Bah, non, justement. Non, c'est bon. En fait, on est autour de la table. On va mettre les pots. Et on est parti. Donc là, ce matin, on a fait du snowkite. C'était vraiment, vraiment trop cool. Et là, on est exactement à la station de ski Le Mont d'Or et on va normalement aller par là-bas contourner, faire une petite montée 15-5 minutes,
descendre d'un côté, remettre les pots et on va redescendre par là. Vas-y, tente. Voilà. Oh. Et la pro. C'est dur, hein. Ça va être parti pour la petite rando. C'est vraiment étonnant en fait d'être dans un endroit où il y a où c'est très volcanique. D'un coup, on se retrouve c'est très alpin le côté du coup où il y a le Mont d'Or et côté super baisse, très très joueur, beaucoup plus des pentes plus accessibles, etc. Et là, il n'y a plus rien, plus aucune montagne. Donc, c'est très vallonné quoi, des montagnes mais vallonnées. Qu'est-ce qu'il y a, Luan ? Tu décèdes. Tu vas partout. Allez, on a fait que le dixième de ce qu'on est censé faire. Ça me va pas du tout. Ça me fait pas rêver. Je zoome sur ta gueule. J'ai mal. Est-ce qu'on est aussi fraîche que la neige, tu crois ? Je suis pas sûre. Tu vois, j'avais de l'instinct quand j'avais 13 ans parce que je savais que c'était déjà pas pour moi. C'était déjà il y a 8 ans, quoi. Bon. Thomas, vas-y, enlève ton chouchou pour voir. Oh là là, ça me gratte partout. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas besoin de bonnet. Pour cette raison. Ah mais regardez, on dirait les bronzés. Ah non mais là on a les bronzés. On dirait les bronzés fond du ski. Ça y est, on est arrivé en haut. Comme c'est beau. Ce que tu vois là-bas, ouais, c'est la station de Chastre-Essency qui est plein ouest. Okay. Tout au fond, la chaîne qui est blanche, c'est le plomb du Cantal. Le Puy-Marie, t'en as entendu parler, oui, le Tour de France. Exactement. C'est la chaîne cantalienne. Ce qui est hallucinant, c'est que c'est des montagnes. Là, on est vraiment sur du vrai vertical, on monte. Voilà. Et là, c'est de la plaine. C'est le relief. Allez, Luan. Non, mais c'est stylé de ouf. J'adore. Alors, enlève les deux briques. C'est la ceinture, le sèche, mets l'accent sur le fait. Y'a son père pour les faire taire, pour les faire suivre. C'est une affaire qui dure, en effet, ça c'est duré. Y'a du rythme à tenir, y'a des mots à terme. C'est pas simple sortir d'affaire, sortir d'enfer. Quand les hommes pigèrent, c'est dur de le faire. Mur de fer, c'est dur quand le monde canalise le spec. C'est le bronze, c'est clair dans le fond de ses cœurs. C'est l'heure du chant, l'heure méchant. Les temps, c'est clair, c'est désolant. C'est dans mes cœurs, dans ma chambre, je tombe en miettes. Là, on va voir Louane. Il y a le guide qui passe et Louane qui va arriver dans la coulée. Oh merde! Oh mais la touriste! L'état de mon masque! Ah, il est dans un sale état. Ça y est! Planté de bâton, on a descendu la montagne! Non, c'était stylé! C'était en Auvergne. Mais c'était stylé. Dur sur une échelle de 10, je dirais 8. Ah ouais? Ah ouais, c'était vraiment dur.